L'écologie mène à la prospérité de la civilisation et le non-respect de l'écologie au déclin de la civilisation. L'édification de la civilisation écologique est d'une importance fondamentale pour le développement durable de la nation chinoise. Le Parti communiste chinois a toujours attaché une grande importance à la protection de l'environnement. Mettre en œuvre le concept dit « rivière limpide et montagne verdoyante » sont des biens précieux et réaliser la transition verte constitue une tâche importante que notre époque a assignée aux communistes chinois. La Chine a accompli des réalisations remarquables en matière de reboisement. Parmi elles, le programme de rideau-abri des trois régions du Nord est le plus grand projet de reforestation au monde. Au printemps 2019, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, NASA, des États-Unis, a publié une étude. Environ 25% de la zone reboisée de 2000 à 2017 dans le monde se trouve en Chine, et la contribution de la Chine se classe au premier rang mondial. Environ 340 millions de yuan ont été investis dans la protection de l'environnement dans le cadre de la construction du pont Hong Kong-Zhuhai-Macao. Le souhait des constructeurs a été exaucé. Les dauphins blancs n'ont pas migré après la mise en service du pont. Grâce à la mise en œuvre du concept de développement vert du comité central du PCC, aujourd'hui, de plus en plus de personnes sont sensibilisées à la protection de l'environnement. Face à la crise environnementale mondiale, le Parti communiste chinois assume activement ses obligations internationales en matière de protection écologique. La Chine s'efforcera d'atteindre le pic de ses émissions de dioxyde de carbone avant 2030 et redoublera d'efforts pour réaliser la neutralité carbone avant 2060. Aujourd'hui, la Chine recourt à davantage de systèmes à faible émission de carbone pour réajuster vigoureusement sa structure énergétique. Un magnifique paysage se dessine progressivement à travers la Chine.